Voici donc le résultat de la passion de l'image. Après ma course tout à l'heure en troisième catégorie, je me suis mis aux abords de l'organisation de l'ECE Villeroise, aux abords de l'arrivée de l'organisation de VC de l'ECE Villeroise du président Bruno Vasnier, qui se bat pour organiser de belles courses en termes de circuits, en termes de récompenses. C'est rare de voir trois coureurs sur le podium en UFOLEP dans l'heure. Et même, je pense, ailleurs en France. Et cet après-midi, c'était 5 coureurs sur le podium, 5 coureurs récompensés, bravo. Donc là, j'étais pas au cœur de la course à moto, mais j'étais aux abords. Donc j'ai pu interviewer quelques acteurs majeurs, soit par leur victoire ou par les faits de course, pour qu'ils puissent me dire un peu leur impression et qu'ils gardent un souvenir de leur passage dans cette belle course du président Vasnier. Donc voyons voir quelques images, quelques interviews. Je trouve, tu organises tes courses de manière formidable avec récompenses pour plusieurs, trois coureurs sur le podium, cinq sur le podium, c'est vraiment magnifique, c'est tout à ton honneur. Alors raconte-moi un petit peu ta course Vigneron des Hommes qui généralement plaît aux coureurs. Disons qu'on se met à travailler sur cette course pas dans les derniers mois, c'est-à-dire qu'on prépare depuis ça 6 mois. On met 6 mois à préparer cette course et on démarche tous nos partenaires afin de récupérer un maximum de l'eau, comme là on a fait des petites tartelettes pour changer un peu des paquets de biscuits. Exactement, bravo, félicitations. Donc du coup on essaye de travailler avec tous les partenaires pour essayer de récupérer, comme on a dit, des petits lots et puis qu'on puisse récompenser déjà les 5 premiers de chaque catégorie. Super. Et après on se permet aussi de pouvoir récupérer une trentaine de lots qu'on va pouvoir distribuer, comme on faisait dans l'ancien temps, que j'ai connu au début, il y en a 14-15 ans, où on avait chacun un petit lot par le tirage du dossard. Et donc j'ai voulu remettre un petit peu ça au goût du jour pour que ça puisse peut-être ramener des 1 et des 2 en course, parce que là malheureusement ce que je peux déplorer un peu c'est qu'il n'y a pas beaucoup de 1 et 2. Alors c'est ça qui est dommage, j'ai hésité effectivement à l'annuler aujourd'hui. Quand j'ai vu 6 coureurs en première et 5 coureurs en deux, je me suis longuement posé la question et j'ai dit c'est vrai que c'est quand même pas normal qu'on annule encore une course. Les 5 qui sont engagés ou les quelques-uns qui se sont engagés, c'est vrai que c'est dommage de mettre des gens au carrefour pour peu de coureurs, mais j'ai voulu la maintenir. Et le fait qu'on ait quelques coureurs qui se sont greffés par engagement sur place, donc du coup j'ai bien fait de ne pas annuler cette course. Voilà. Mais moi je suis fier en tant que président de l'entente cycliste. J'ai pu organiser le championnat de l'Eure, j'ai organisé Coudray. On essaye de faire un jeune club en plus. Voilà, on essaye d'organiser différemment avec comme là des petites tartelettes que notre boulanger nous a fait du bio, c'est un peu bio quoi. Et 3 coureurs sur le podium, 5 coureurs sur le podium, déjà 3 c'est super, mais 5 c'est magnifique. On essaye de ramener des coureurs peut-être de la FFCE ou de la FFGT pour leur dire qu'en fin de compte, à Vigneron des Hommes, c'est pas comme dans les autres courses, malgré que les autres courses sont si formidables. Hein. Mais on essaye de faire quelque chose de différent et de l'année prochaine j'espère avoir 30-40 coureurs en plus d'aujourd'hui et ça serait une récompense pour moi. Merci Président. Merci en tout cas à toi, merci de ton soutien. Bonjour Christian, bravo, on s'était rencontré il y a quelques années, tu avais été victorieux d'une belle course. Alors dis-moi, en début de saison déjà, comment ça s'est passé pour toi la saison, tu as eu des places d'honneur, dis-moi tout. Oui, du côté de Vierzon, j'ai une place de 2. Je pensais gagner, mais bon, je fais 2. Dernièrement, j'ai une place de 5. Et je pensais finir la saison en gagnant, mais vous voyez que j'avais du mal à aboutir. Et là, ça s'est fait. Pas facile quand même la petite course avec deux faux plats, là, quand ça roule vite. Oui, mais bon, c'est les. C'est la course, c'est bizarre. Hein. Il y a des jours où ça le fait. Puis par contre, il faut quand même appuyer sur les pédales. Hein. Bien entendu, bien entendu. Mmh. Alors, le final, raconte-moi le final, là, le dernier kilomètre. Est-ce que c'est un sprint? T'étais détaché, raconte-moi ça. J'ai fait 3 tours et demi tout seul. Ah, bravo! Et gagné en plus après. Oui. Alors, comme ça. Quand il y avait encore 2 tours, on est toujours dans le doute. Hein. Et après, dans le dernier tour, j'ai dit bon, l'affaire est faite là en principe, ça va le faire. Tu avais tapé suffisamment d'avance. Oui. Alors c'est quoi ce beau maillot là? C'est quel club? C'est le Drô Cyclo Club. D'accord, dans l'Eure-et-Loire. C'est ça. Ok, ta prochaine course, alors c'est quoi? Dis-moi. Sûrement dans l'Eure, ça va être les ventes. Ouais. Si je vais m'inscrire, après je ne sais pas, comme ça doit être limité, alors je ne sais pas si.
D'accord. Tu cours aussi dans d'autres fédérations ? Ben, les ventes, c'est en FFC. D'accord, donc tu cours aussi double licence oui, UFOLEP oui, FFC. Oui. Ça te permet de courir peut-être quand il n'y a pas de course en UFOLEP ou quand il n'y a pas de course de l'autre côté. Tu peux, comme ça, tu peux jongler. On peut pas lâcher un peu, oui. Félicitations, Christian. Bon, bah, je te remercie hein, de ton interview. Parce que ouais, ça fait plaisir de vous voir en action, de voir les sportifs en action. Et puis, ça fait parler aussi du... Et là, en plus, on était quand même une équipe de 4 coursiers du club. Bon, derrière, bon, bah, ils ont fait le nécessaire. 85, Louis Chabelle qui emmène. Almonassi, le 76, en 5e position. Donc 4... Alors, Anatole, tu es sur la course de Villiers en deux œuvres aujourd'hui en UFOLEP. Raconte-moi comment ça s'est passé. Je sais que c'est bien, mais raconte-moi comment ça s'est passé d'une manière générale, ta course et puis l'issue de cette course. Bah, la course, on est parti, on a essayé de faire le départ au début, on a essayé de faire le départ à 3, après bon malheureusement ça n'a pas marché, on est reparti à 2 avec un autre gars et puis on s'est fait reprendre, puis à la fin à 3 tours de l'arrivée, je vois un gars qui part, je me dis bon ça peut peut-être aller au bout, du coup j'y vais et du coup bah ça va au bout, puis on s'arrange et puis il me laisse partir quoi, donc voilà. D'accord. Quand vous êtes parti, le peloton était pas très loin. Quelles étaient tes pensées à ce moment-là ? Bon, je me disais que ça pouvait le faire, mais aussi que c'était un peu tendu. Donc je me dis, bon, on va tout donner, puis on verra bien. De toute façon, j'ai une autre carte derrière, donc voilà. J'avais une autre carte pour le sprint, donc voilà. D'accord. Alors raconte-moi un petit peu ta saison, tes débuts de saison, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as déjà gagné ou fait des places ? Le début de saison était un peu dur. Mais c'était un peu dur, j'ai pas au début de saison, j'ai fait quelques places, mais une place de 2 puis quelques places de 3, mais c'était pas je trouvais qu'il était pas top, mais sur la fin là je commence à me rattraper avec une victoire il y a 2 semaines, une victoire encore aujourd'hui du coup, donc c'est plutôt positif sur la fin de saison. Oh, pas mal de victoires, alors tu vas peut-être monter alors. Bah là je monte en deuxième catégorie. Bravo. Merci. Bon là je fais un challenge en FSGT où pour l'instant j'ai le maillot distinctif, donc voilà. Tu appréhendes la 2 ou tu connais un petit peu comment ça se passe ? Non, j'appréhende pas, on verra bien sur le terrain. Il n'y a pas à s'inquiéter. Alors Gaëtan me disait que tu es plutôt sprinter, raconte-moi un petit peu comment s'est déroulée ta course. Bah moi je suis plutôt sprinter, je suis plus à l'aise dans tout ce qui est frotté, se placer, et je suis plutôt rapide au sprint. Donc on avait prévu normalement que ça arrive au sprint, de choper les échappés et tout ça, mais j'avais pas trop les jambes parce que j'ai enchaîné des semaines d'entraînement assez lourdes, donc sans courir. Donc Anatole, vu qu'il avait les bonnes jambes, il est dans une bonne période, un bon pic de forme. Il a décidé de partir, de se balader. Le problème c'est que partir à 2 c'est difficile parce que quand ils voient 2 jeunes partir comme ça, ils veulent pas nous laisser partir. Donc Anatole est parti, s'est baladé et moi je suis resté au chaud dans le peloton et je verrai pour les courses en fin de saison. Tout à fait. Donc tu m'as dit que c'était ta première année de course, voilà. Donc tu faisais d'autres sports avant ? Voilà, donc je faisais de l'escrime en compétition, mais c'est pas du tout comme le vélo, c'est quelque chose de complètement différent. Mais voilà, j'ai découvert, je faisais vélo quand j'étais petit, j'ai arrêté, j'ai repris et voilà, maintenant je m'y investis un peu plus quoi, pour avoir des résultats. Attendu. Merci beaucoup. De rien. Voilà, on arrive sur un fait de course, on va dire une chute provoquée par un coureur, par un cycliste qui n'avait rien à voir avec la course, puisque n'ayant pas de dossard, mais notre sport se fait sur la voie publique et il s'est intégré au groupe et son inaptitude a provoqué la chute de 3 coureurs, dont Johan Cheval de l'AC Montor et d'Olivier Vuillaume de Saint-Marcel. Alors Olivier, malheureusement une chute aujourd'hui alors que tu avais fait tous les efforts nécessaires en 3e catégorie et monté en 2. Jusque là comment ça s'était passé en 2e catégorie alors ? Bah ma première course en 2e catégorie, ouais, ça s'est alors plutôt bien passé ouais, pour une première, je termine 2e à fin. Bravo ! Voilà, merci ouais. Puis là, j'ai pas couru depuis fin du coup. Et là, je reprends seulement aujourd'hui à Villiers des Œuvres. En début de course, c'était bien. J'ai voulu essayer de partir, mais bon, j'avais un peu mal aux jambes. Après, du coup, ils sont partis. On a voulu essayer de les rattraper. On a fait des relais et tout. Et puis là, dans la dernière après la ligne d'arrivée, il y a une chute où j'étais appliqué. Dedans, ouais.
Voilà. Et un mec qui avait strictement rien à faire dans le peloton, qui nous a fait tomber, qui a fait tomber mon président Jean-Michel, qui a touché ma roue arrière. Bon, puis je suis tombé, j'ai un peu mal à la hanche. Mais le feu, il a trop rien. Par contre, c'est mon casque qui est mort du tout. Du coup, bah voilà. Villiers des Œuvres, en fait, c'est la fin de soir. Les habitants de la commune et leurs voisins environnants vont avoir droit à un super feu d'artifice. Merci la municipalité d'ailleurs qui sponsorise cette course. Donc c'était la fête, c'est la fête du village et la fête pour Durieux, Florian Durieux qui remporte une belle victoire au sprint et qui monte par la même occasion en première catégorie. Et je l'avais rencontré l'année dernière, il avait gagné déjà ici, il aime bien cette course. Bonjour Florian, décidément tu aimes bien cette course, l'année dernière tu as gagné et là tu gagnes à nouveau. Alors raconte-moi un petit peu ta course au début et le déroulement. Au début ça roulait pas trop, après il y a... Il y en a deux qui sont sortis, moi je suis rentré avec un autre mec. Et puis après on a roulé à quatre, il y en a trois autres qui sont rentrés, puis on a collaboré quoi. Ouais. Et à la fin on est parti entre deuxième catégorie, puis voilà. Ils vous ont laissé partir, et alors comment ça s'est déroulé ça? Les relais étaient pris convenablement dans le dernier tour? On prenait tous le relais, ouais. On prenait tous le relais. D'accord. Au sprint, alors tu sais que tu pouvais gagner au sprint, ou ouais, donc c'est pour ça que tu as attendu? J'ai mis un coup là-bas. On s'est retrouvé à deux et puis on a fait le sprint. D'accord. Et t'étais le meilleur, t'as gagné largement. Ouais. Bravo. Merci. Alors vous avez suivi la course de votre fils, le connaissez, vous entraînez avec lui peut-être? Ouais un peu, enfin bon si j'arrive à le suivre quoi, parce que bon à mon âge c'est moins évident, j'ai un peu de mal à le suivre, mais enfin sinon ouais, on est de la région parisienne donc on va à Rungis un peu et puis on roule un peu sur route quoi, on essaye de faire un peu tout quoi. D'accord, alors là quand il était devant, vous avez cru en lui je suppose? Ah bah cru en lui, je sais pas parce qu'il rentrait de vacances donc il avait pas fait énormément de vélo depuis un mois et demi. Malgré? Ouais, il avait couru il y a un mois et demi quoi, sa dernière course, donc c'était pas évident, mais enfin a priori ça s'est bien passé, donc je l'ai un peu encouragé à distance, mais bon, c'est dommage qu'il n'y avait pas, pas un peu plus de monde, mais enfin bon, c'était une belle course quand même quoi, c'est pas un circuit facile, mais bon, par rapport à l'année dernière, il y avait un peu moins de vent, donc ça a été peut-être un peu plus facile quand même, parce que l'année dernière il y avait du vent, ouais. Il faisait chaud. Et vous alors, vous faites du vélo en compétition? Ouais, bah j'ai couru en GS là, avant quoi. Avant. Comment vous êtes senti? Bah c'est pareil, hein, je faisais ma rentrée depuis un mois et demi, donc je fais peloton quoi, bon les sensations n'étaient pas sensationnelles, mais bon ça va revenir. Hein. William, je t'ai déjà eu donc en interview en tant que vainqueur, aujourd'hui pas vainqueur mais une belle deuxième place, alors raconte-moi un petit peu début de saison, comment ça s'est passé? Ah bah le début de saison c'était très bien, la première course une victoire, et après bon bah depuis... C'était des places, toujours des places, mais bon, bah, pour être toujours là. Aujourd'hui, alors, comment ça s'est passé? Comment tu te sentais? Comment tu t'es positionné dans le peloton? Comment t'as couru? Je me sentais bien, j'essaye toujours d'être dans les 10-15 premiers, quoi, de manière à être dans les coups. Ouais. Bon, maintenant, il faut avoir la chance d'être dans la bonne, quoi, et puis... Et le final, alors, comment ça s'est passé? Au sprint ou en détaché? Raconte-moi. Le final, à un kilomètre de l'arrivée, il y avait un grand vent, on était pour la deuxième place, je suis parti à un kilomètre de l'arrivée, bon, puis ça revient pas, quoi, je finis tout seul derrière. Okay. Voilà. Toujours là pour honorer le maillot de Wassel. Ouais, exactement. Il faut bien. Hein. Ouais. On n'est pas nombreux à courir, mais on le fait voir. Quoi. Okay. Hein. Félicitations. Ouais, merci. Comment ça s'est passé pour toi? Je dirais pas facile. Ouais, une course difficile, quand même. Voilà. J'avais vraiment tout donné pour pouvoir aller dans l'échappée quoi. Alors quel est le résultat aujourd'hui? Troisième. Troisième au sprint? Troisième au sprint, voilà. Oh, bravo! Pour la dernière course de l'année quoi. Pourquoi tu pars en vacances? Non, parce que c'est la fin, parce qu'après au mois de septembre on reprend la licence 2017-2018. Oui, de la saison. Donc ça fait plaisir de faire troisième quoi. Alors Jean-Pierre, félicitations, je t'avais pas vu depuis longtemps sur une course, là je te vois, tu t'es abstenu pendant un moment. Comment ça s'est passé? Alors une première course depuis plusieurs mois.
Le problème, c'est que j'ai été malade pendant 4 mois. Donc pendant 4 mois, pas de vélo, rien, repos complet. Et puis j'ai repris l'entraînement vers la fin juin. Donc il n'y a pas très longtemps, j'ai fait quelques kilomètres. Et aujourd'hui, je tenais, parce que j'aime bien cette course-là. Et aujourd'hui, je tenais à la faire, d'autant plus qu'il faisait beau. Et par contre, il n'aurait plus, je ne serais pas venu. Et puis, par rapport à la course, il ne faut pas que je me plaigne, que je termine dans le peloton. J'avoue que j'ai eu chaud 2-3 fois, mais je suis satisfait. Ça aurait pu être pire que ça. Le 4, il n'y en a pas. Je vais reprendre donc vers le 11, le 18, et puis le 25, et puis voilà. Les dernières courses qui restent. Voilà, c'est ça. Et puis après, au niveau de la fédération, je vais reprendre un petit peu les cyclo-cross, comme ça, pour m'amuser. D'accord, entendu. Félicitations, merci. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Voilà, c'est la fin de ce petit reportage. J'ai couru également et j'ai amené quand même un appareil car je veux saisir chaque instant possible pour mettre en avant les coureurs, pour leur permettre d'avoir un souvenir de leur passage dans leur compétition. Là, c'est la course, mais ça peut être dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.